pas être pas bavard, toi, hein? Ou alors c'est soit belle et tais-toi, alors, hein? Et alors c'est surtout tais-toi, hein? Tu sais que j'ai fait majorette pendant 2 ans, moi? Non! Si? Mais, oui. Mais si t'as fait majorette, tu peux tout faire! C'est la meilleure école, majorette! Ah bon? Surtout que j'étais très très douée, moi. Je lançais le bâton à 3-4 mètres de haut. Toi, j'aurais insisté. Mais tu l'aurais lancé à 5-6 mètres! Eh ben, peut-être. Ça, j'avais pas pensé, mais peut-être. Eh, dis donc. Tu me feras pas une petite démonstration? Vas-y, ma poule! Malentendu, je vous paye ce que vous voulez. Dis-moi, c'est le chinois qui t'envoie ? Eh oh, du calme, hein, on va pas vous manger le fond. Toi, tu te la fermes, mais dis-nous-moi. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit, là ? Tiens-moi ça, toi. Eh, moi, je peux te répondre, hein ? C'est qui, ça ? C'est vrai, Jacques Bellin, t'as raté le Vesa ? Évidemment, Jacques Bellin, t'as raté le Vesa. Mais pourquoi tu me... Allez, je m'agulte les chapelles. Ça fait une heure que je te le répète, Yabrel. C'est pas vrai, l'affaire est dans le sac chez moi. Monsieur Villa, l'affaire dans le sac. Oui, 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 Monsieur oui, oui. Villa, merci d'être venu. Ah, non, non. Monsieur Villa. Voilà, voilà. Monsieur Villa. Voilà. Il est joli ton sac. Mais non, c'est pas à moi le sac. C'est à... Madame Villa, Aslam. Madame voilà. Villa. Merci beaucoup. Ah, ça me gratte à l'intérieur de l'estomac, bordel. Ça me démange. C'est poils de figue, ça. Ah, j'arrive pas à me gratter. Donne-moi ta petite main. Toi, Insecate, je vais te couper les oreilles en pointe. Très drôle, très drôle. Quand l'élégance et l'humour se marient, ça fait des ravages. En hiver, hiberne. Et au printemps, il printemps. Ah ! Quand je vais annoncer qu'on allait se marier. Tu t'es brûlé ? Sérieux, c'est fort. Bon, arrête, Nicole, une seconde. Nicole. Bon, enfin, c'est pour Nicole, moi. Et pourquoi c'est pas Nicole ? Parce que c'est Fred. Tu vas pas me dire t'as oublié. Non, j'ai pas oublié du tout ça, mais alors, attends, assieds-toi parce que j'ai un truc à te dire. Non, j'ai un truc à te dire, mais je te préviens, c'est pas marrant. Bon, faut que je te parle sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux du café ? Oui. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui m'a pris de ramener ça chez moi ? Je suis très emmerdé, Fred. Qu'est-ce que tu me racontes ? Que je me rappelle bien d'avoir bu la boire avec toi, mais je me souviens pas du tout de t'avoir ramené ici. Comment ça, tu te rappelles pas ? Mais tu m'étais sorti de la tête. Vous n'auriez pas été dire que j'étais votre femme de ménage ? Il n'y a pas de honte à être femme de ménage. Vous avez des préjugés ? Tire-toi, toi. Et voilà. Elle est gentille, mais elle casse beaucoup. Mais elle est gentille tout de même.